My life was a climb up to the top of a hill, and I stared up and saw the stars. But in all that heavenly wonder, I fell down the hill, rolled into a cave, and got lost in the cave. I was stuck there, and I was entombed into a case of darkness and sadness, and I stayed there for the remainder of my life, and I changed. I changed a lot. Je sais pas comment introduire cette histoire, car c'est une des plus perturbantes que j'ai vues en ligne jusqu'à présent. Peut-être que la meilleure manière de vous embarquer dans l'histoire, c'est en vous montrant ça. C'est bien la première fois que je pleure en faisant des recherches. Internet est horrible. Aujourd'hui, on va parler d'une légende, une des premières grandes stars de Twitch, une des premières, si pas la première, à réunir des dizaines de milliers de personnes autour d'une passion commune. C'est simple, sans elle, Twitch ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Comment Narcissa Wright est passée aux yeux de tous de la légende aimée et admirée de tous aux montres qui a menacé de faire une fusillade dans les bureaux de Twitch. Ça va bien se passer. Je vais avoir besoin d'énergie et de réconfort pour traiter cette histoire, et ça tombe bien, c'est l'instant promo bulk. On l'a pas vu venir, celle-là. Je vais me faire un petit café au collagène. Ma petite cruche d'eau chaude. Bulk, c'est un site sur lequel tu peux acheter plein de produits pour les sportifs ou même pour les gens pas forcément sportifs qui souhaiteraient juste prendre soin de leur santé. Par exemple, là, ce que je vais me faire, c'est un café au collagène. Donc c'est juste du café soluble auquel on a ajouté du collagène. Le collagène, faut savoir que c'est très bon pour la peau, pour les cheveux, pour les articulations et pour la santé en règle générale. Ça fait une belle peau, oh là là. Si t'aimes pas le café, ils vendent également du collagène sous forme de boissons aux fruits. Sur le site, tu peux également trouver plein de compléments alimentaires qui peuvent t'aider dans ta pratique du sport, mais aussi des biscuits protéinés super bons. Ah, je te conseille les biscuits au chocolat. C'est même pas pour la blague de dire une... C'est vraiment très bon. Merci du fond du cœur à Bulk qui soutient tous mes projets sur YouTube depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je pourrais pas faire ce genre de gros projet sur YouTube comme ça si c'était pas avec leur soutien. N'hésite pas à profiter du code PIPOUN pour des réductions sur ta prochaine commande et à cliquer sur le petit lien traqué en description si ça me soutient directement. C'est grâce à vos petits clics sur ce petit lien que Bulk me sponsorise et c'est parce qu'il me sponsorise que je peux faire ce genre de vidéo. Voilà. Bon, changement d'ambiance. Alors, mini disclaimer, je vais devoir régulièrement biper le prénom de Narcissa. Au début de la vidéo, tu pourrais ne pas comprendre pourquoi, mais je t'expliquerai très très vite la raison, t'en fais pas. T'inquiète, t'auras l'explication. Tu auras toutes les explications. Et si vous voulez bien, on va remonter le fil et partir du tout début. In order to understand just how Narcissa became one of the most disliked speedrunners in recent memory, we have to go back to a time when Narcissa was... Narcissa Wright naît en 89, elle grandit avec les jeux vidéo et la naissance d'Internet. À 17 ans, elle est passionnée de jeux vidéo. Mais pas genre comme toi ou moi, ou même le gamer le plus hardcore de ton entourage. Non, 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 non. Finir le jeu, pff, facile. Avoir le meilleur score, pff, quel ennui. Ce qui va réellement passionner Narcissa, c'est une discipline qui commence tout doucement à émerger à l'époque. Ce sont les balbutiements du speedrunning. Le speedrunning, très vite fait, c'est l'art de finir un jeu vidéo le plus vite possible. Il suffit pas de bien jouer, sinon bah, ce serait juste du gaming. Il s'agit surtout de trouver les meilleures stratégies, d'optimiser chaque milliseconde pour gagner vraiment le plus de temps possible, et très souvent d'exploiter des bugs ou des trucs qui n'étaient pas forcément prévus pour marcher comme ça dans le jeu. Je sais pas si c'est très clair, donc je vais te donner un petit exemple. Le jeu Zelda Breath of the Wild prend en moyenne 50 heures pour finir la quête principale. Tu dois balader dans tout Hyrule, faire 36 trucs à gauche à droite avant d'atteindre le château pour aller défoncer le gros méchant. Et même sans faire tous les trucs à gauche à droite, bah rien que marcher jusqu'au château, ça prend du temps. C'est une sacrée trotte à pied. Et ben pourtant, il y a un joueur qui a fini le jeu en 24 minutes et 30 secondes. Pour y arriver, il a exploité des failles du jeu. Un bug qui, si tu manies le joystick avec une précision chirurgicale, te permet de l'éviter sur des kilomètres. Ou alors un autre bug où en appuyant sur le bon bouton au millième de seconde près, tu peux passer à travers un mur. C'est plein de petites manipulations comme ça pour tromper le jeu. Pour les gens qui connaissent le jeu, ça ressemble à de la sorcellerie ce qu'il est en train de faire. Je sais pas si c'est très clair, mais pour être un bon speedrunner, il faut allier précision et connaissance. Si tu comprends le code du jeu, tu peux t'en servir à ton avantage. Aujourd'hui, il existe plusieurs catégories dans le speedrun, il y a des règles qui sont claires et établies, c'est une discipline à part entière. Mais à l'époque où Narcissa découvre cette discipline, bah en fait ça se résumait juste à une bande de geeks qui échangeaient des astuces sur des forums claqués. Très vite, Narcissa se révèle être incroyablement douée et passionnée. Elle devient très vite un pilier de la discipline. Par exemple, pour ceux qui connaissent le jeu Ocarina of Time, bah Narcissa c'est la toute première personne à avoir découvert comment s'enfuir de la forêt Kokiri sans finir le premier temple, pour gagner du temps. Elle a aussi donné son nom à plusieurs techniques encore utilisées aujourd'hui. Avec un autre passionné, Narcissa va créer le site Zelda Speedruns. C'est un site sur lequel tout le monde peut poster son meilleur temps, échanger des conseils, des astuces, etc. Et en parallèle, un tout nouveau réseau voit le jour, Twitch. Ce réseau est ultra pratique pour les speedrunners, parce que grâce à ça, bah maintenant on peut partager ses meilleurs runs en direct. Le public peut voir en direct le record se faire,
ou se foirer à la moindre erreur. Narcissa était dans les toutes premières pionnières de la plateforme et son succès était fou, surtout pour l'époque. Avec une moyenne de 3000 viewers, elle est la plus grosse streameuse du milieu à l'époque. Le grand public va découvrir avec elle cette discipline qui jusque-là, personne ne savait ce que c'était. Inspirée par son exemple, il y a plein d'autres gens qui vont se lancer également. Leurs streams sont partagés sur le site Zelda Speedruns. On voit apparaître des classements de scores sur le site qui sont régulièrement mis à jour. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le speedrun tel qu'on le connaît est vraiment né. À partir de là, de petite geek passionnée dans sa chambre, elle devient la nouvelle rockstar d'Internet. Becoming the largest speedrun streamer. My favorite speedrunner, Wright. Narcissa Wright is perhaps the most well-known speedrunner ever. Elle est invitée à tous les événements et à chaque fois, elle est la tête d'affiche. En 2013, Narcissa fait une run pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Elle explique tous ses tricks, elle explique un peu tout ce qu'elle fait. Et c'est un peu comme voir un magicien qui explique tous les secrets derrière ses tours de magie. Le speedrunning, ça peut ressembler à ça. Qu'on comprend rien, c'est juste plein d'actions aléatoires qui s'enchaînent. C'est intriguant à voir, mais si on comprend rien, bah ça reste quand même bof marrant. Narcissa, elle a su rendre cet univers accessible à tous. Et je pense que c'est une grosse partie de ce qui a pu faire son succès. Ça et son talent dans le domaine. Pendant les années qui suivent, elle fait plusieurs runs pour des événements caritatifs. En 2014, Awesome Games Dunkirk l'invite à nouveau et il récolte 1 million. Il récolte 1 million en 2014. Avec une branche plutôt méconnue du jeu vidéo. C'est absolument énorme. Narcissa enchaîne, elle finit carrément sur la CNN pour présenter le speedrun. Sa carrière est internationale, elle est carrément invitée en France. Un special guest absolument incroyable, la venue du célébrissime. Un tonnerre d'applaudissements pour notre invité. C'est une figure du speedrunning. En 2014, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle avait le record du monde sur Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time, c'est un petit peu un des grands jeux cultes du speedrunning. Son record, c'était 18 minutes et 32 secondes, sachant que le deuxième, son record à lui, c'était 18 minutes et 52 secondes, donc elle avait carrément 20 secondes d'avance sur le deuxième. Dans une discipline où les records se jouent à la demi-seconde, elle était la meilleure, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais elle pouvait faire mieux. Le 20 juillet 2014, Narcissa lance un live dans lequel elle va tenter de battre à nouveau son record sur Ocarina of Time. Sur pratiquement chaque segment, elle a amélioré son temps. C'était un perfect, un sans faute. En 18 minutes et 10 secondes, Narcissa a marqué l'histoire du speedrunning avec la run qui est considérée aujourd'hui comme la run de la décennie. Oh, fuck, it's over. Ocarina of Time is dead. Any percent is done. That's it. That's it. It's over. It's f***ing over. It's the best run ever, period. Or at least the best run of the decade. Et à ce stade, c'est pas que les gens l'admirent, c'est qu'ils la vénèrent. J'ai rencontré Narcissa, la vraie. Mon héroïne est en train de streamer. Déesse du speedrun confirmée. Elle est trop forte, cette Narcissa. C'en est au point où quand elle s'assied sur une chaise, bah ça devient une espèce de mème, de running gag, de vénérer cette chaise. On en est carrément au stade de « J'ai réussi à prendre une photo de la chaise sur laquelle LA Narcissa était assise. Wow !» Une chaise. La chaise sur laquelle Narcissa s'était assise il y a un an. J'ai gagné la photo dédicacée de la chaise sur laquelle Narcissa s'est assise. Sa communauté l'aime de ouf. Narcissa n'a peut-être pas inventé le speedrunning à elle toute seule, mais elle a énormément contribué et c'est elle qui a popularisé cette discipline. Merci, j'en serais jamais arrivée là si j'avais pas été inspirée par tes runs. Sans elle, rien de tout ça ne serait arrivé. Merci d'avoir inventé le speedrun. Côté vie privée, tout est idyllique également. Narcissa a une copine, les deux sont carrément vus comme un couple goal dans toute la communauté du jeu vidéo. Les articles élogieux pleuvent, l'argent coule à flot. Dans une interview, Narcissa confie que ses parents la soutiennent et sont fiers d'elle. Tout le monde l'aime, elle a une copine aimante, c'est le paradis sur Terre. Bon, ça va, on a bien rêvé? C'était chouette? Alors, elle est toute jolie, toute belle, hein, la surface, mais derrière le succès, tout n'était peut-être pas si parfait. J'ai pas la motivation d'accomplir quoi que ce soit. Je trouve qu'il pète pas la joie, ce tweet. Il date de 2015. C'est l'année où, lentement, tout va se mettre en place. La chute de Narcissa est enclenchée. En réalité, alors que tout le monde l'idéalisait, bah, son couple était loin d'être si parfait. Aux alentours de 2015, la copine de Narcissa lui avait apparemment forcé la main pour devenir un couple ouvert. Elle a eu plusieurs aventures avec d'autres speedrunners. Apparemment, elle draguait ouvertement, même lors des conventions, devant tout le monde, donc ça a été colporté, les rumeurs, toi-même tu sais, et très vite Narcissa a eu l'étiquette de cocu sur la gueule. La copine de Narcissa, qui du coup maintenant est son ex, de son côté, bah, elle disait qu'elle se sentait enfermée dans la relation. On va pas s'étaler plus que ça, c'est pas un point très important de l'histoire, de toute façon j'étais pas là, et c'est ni à moi ni à vous de juger ce qui a merdé dans leur couple. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Narcissa vivait mal de voir sa copine avec d'autres gens, elle en a parlé dans un live un peu plus tard, et que les gens ont commencé à rire dans son dos en la traitant de cocu. Cette année-là, elles finiront d'ailleurs par se séparer. Donc bon, ça fait déjà un point de sa vie de rêve qui semble s'écrouler. Et lors d'une de ces conventions où sa copine était apparemment, selon les témoignages de gens en train de draguer je sais plus qui, Narcissa aurait subi une agression sexuelle. Elle en a parlé une seule fois dans un live dont la rediff a été supprimée, donc c'est compliqué d'en savoir plus.
et de toute façon, on n'a pas besoin d'en savoir plus. À ce moment-là, il y a également de plus en plus de gens qui se moquent de Narcissa en ligne. Alors évidemment, elle a encore le soutien et l'amour de la plupart de ses fans, mais quelque chose dérange chez Narcissa. Une chose bien précise, et de plus en plus de gens le lui font savoir. Et puis la même année, une des meilleures amies de Narcissa va se donner la mort. Rachel Briggs était une développeuse de jeux vidéo, décrite par tous comme une programmeuse talentueuse qui a énormément apporté à la communauté du jeu vidéo. Rachel avait l'habitude de poster des émulateurs gratuits sur des forums pour les mettre à disposition de la communauté, mais très souvent elle était remerciée par de la transphobie. Rachel était une femme transgenre. Plusieurs articles parlent de cette femme trans qui aurait sauté d'un pont à cause de la haine en ligne. La plupart des forums qui ont participé à son harcèlement ont supprimé toutes les preuves quand elle est décédée ou quelques jours plus tard, mais si on cherche bien, on peut trouver quelques archives. Et quand on lit ça, on comprend pourquoi ils ont voulu supprimer les preuves. Ici, c'est un forum sur lequel Rachel poste des émulateurs de Nintendo 64. Donc elle donne quelque chose de gratuit à la communauté. Rachel, elle aide à crever. Rachel se fait détruire dans sa chatte de garçon, repose en enfer déchets trans. Rachel, fatiguée de la discrimination constante, avait un jour posté « Vous en faites pas, je vais me tuer bientôt. Vous ne serez plus embêtée par moi. » Fais-le. Si t'es une petite merde faible, alors fais-le, bordel. C'était quelques jours avant son passage à l'acte. Le lendemain de son décès, sur le même forum, on peut lire « Bon débarras. Un fagot malade mental de moins sur Terre, merci les anonymes. On l'a fait, Reddit. Un trans dégénéré de moins dans ce monde. C'est la fête. C'est hilarant que le trans ait décidé de se tuer juste à cause de quelques méchants anonymes. Quelqu'un des nudes d'elle? J'adorerais des nudes, même si c'est de son cadavre. Bon débarras de cette merde trans. » Ne pas comprendre quelque chose d'aussi particulier qu'une transition de genre et être éventuellement maladroit, c'est quelque chose que je pourrais comprendre. Mais pousser quelqu'un à se donner la mort et puis célébrer son passage à l'acte, mais ça me dépasse. Ces gens n'avaient rien à reprocher à Rachel. Elle n'avait jamais rien fait de mal. Je suis quand même obligée de préciser que la maman de Rachel a publié un long texte sur les réseaux pour expliquer que si Rachel s'est ôté la vie, c'était également en grande partie à cause de handicap et de douleurs chroniques qu'elle supportait plus. Quoi qu'il en soit, cet événement va beaucoup affecter Narcissa, qui ne va lancer aucun live pendant plusieurs jours après ça. Je vous spoil un petit peu, mais cet événement, c'est un immense foreshadowing, à plein de niveaux. À tous les niveaux. Moins de 2 mois plus tard, le clou final qui va démolir définitivement Narcissa et sa carrière, les Nintendo World Championship 2015. Narcissa est invitée à participer au championnat du monde Nintendo. Dans son milieu, c'est le prestige, on peut difficilement faire plus prestigieux. Les championnats du monde organisés par Nintendo eux-mêmes. Ils sont 16 à être qualifiés. Round 1, round 2, round 3, round 4, Narcissa arrive jusqu'en finale. Les participants ne connaissaient pas à l'avance les jeux sur lesquels ils allaient s'affronter, et quand le jeu du dernier round est annoncé, bah, ça semble mal barré pour Narcissa. La finale va se jouer sur Mario Maker, sur des niveaux créés par des fans pour l'événement, donc c'est des niveaux sur lesquels personne n'a jamais pu s'entraîner au préalable. Narcissa est pas forcément une grande adepte de Mario. À ma connaissance, à ce moment-là, on l'avait jamais vu s'impliquer dans ce jeu. Et Narcissa, bah, semble savoir que c'est mal barré. Cette finale va l'opposer à un certain John Numbers. Première manche, John Numbers fait un premier temps. Deuxième manche, Narcissa reprend le dessus, elle se défend bien. John reprend finalement l'avantage sur la troisième manche, et puis on arrive à la finale, la vraie de vraie. Narcissa reste bloquée plusieurs longues secondes sur la première épreuve. Dès le début, c'est foutu pour elle. La victoire de John est écrasante. C'est l'humiliation ultime. Elle est d'autant plus douloureuse que Narcissa se fait rouler dessus par John devant son idole absolue, Shigeru Miyamoto. Le créateur de Nintendo. Celui qui a participé à la création de Zelda, de Mario et de plein de licences légendaires. C'est la douche froide, le dernier clou qui a démoli Narcissa. Embarrassing himself in front of a crowd of 1,000 and Mr. Nintendo himself, life was shattered. Now only 4 days after this giant catastrophe in his life, he was no longer a he and he came out as a she. Justo 4 días después del evento, en noviembre del 2015, empezaría a presentarse como una mujer transgénero en sus transmisiones. Although losing Adrian and being cucked by other speedrunners was seen as an embarrassment for shortly after loss at the 2015 Nintendo World Championship, where he was beaten so bad that it turned him into a woman. Voici donc la version officielle du net. Humilié, Narcissa, qui porte un autre prénom à l'époque, choisit de devenir une fille. Il a été battu tellement fort que c'est devenu une fille. J'ai lu cette phrase tellement de fois pendant mes recherches. Et cette phrase, elle est à gerber. C'est quoi qu'on doit comprendre? Être battu, c'est un truc de fille? Une fille égale un homme humilié? Les personnes trans transitionnent quand ils sont humiliés? Quelle que soit l'interprétation de cette phrase, elle pue le vomi. Et surtout, cette narration qu'on entend partout à son sujet, selon laquelle Narcissa aurait fait une transition de genre 4 jours après une défaite, par honte d'être cocu et par honte d'avoir été vaincue devant son idole,
Bah, je sais pas toi, mais elle me semble un peu absurde. Moi, j'aimerais quand même beaucoup entendre la version de Narcissa. Mario Maker, I did not win. On the last level, I did really bad, but it was really amazing, and getting top 2 was also really special to me because I got the signed 3DS from Miyamoto, which felt really magical, and I was really blessed. À chaque fois que Narcissa reparlera de cet événement, c'est avec gratitude, en disant à quel point elle est fière d'être arrivée en finale, à quel point elle est heureuse d'avoir pu rencontrer Miyamoto, et à quel point la console dédicacée qu'elle a reçue de ses mains a de la valeur pour elle. Nintendo gave me the f***ing signed Miyamoto 3DS. I don't really need anything else because, you know, that was really f***ing cool. On est quand même très loin de cette histoire d'humiliation du ravir. Et même sans se faire chier à chercher des interviews où elle en parle, bah, il suffit de regarder les images de sa défaite. John Numbers! Allez, un arrêt sur image. Je suis pas dans son cerveau, mais à mes yeux, ça c'est pas le visage de quelqu'un de brisé par la défaite. Puis il y a Miyamoto qui arrive. Miyamoto les remercie pour leur performance. Il lui remet son prix en main propre, et puis on félicite John Numbers. Et puis de lui-même, Miyamoto va se mettre entre les deux pour célébrer les deux finalistes. Voilà, je n'ai pas coupé d'éventuels moments où elle aurait l'air déçue ou triste ou choquée de sa défaite. C'est le visage qu'elle avait tout le long de l'événement. Alors oui, c'est sûr que ça fait une histoire beaucoup moins comique, c'est beaucoup plus rigolo de raconter ça. Some people think of Wright's downfall as Narcissa got defeated so bad by John Numbers that she became a girl. Other people see it as Narcissa was c***ed so bad by Adrian that she became a girl. Ah, la version internet est clairement plus croustillante. C'est sûr que ce serait beaucoup moins comique de raconter que le lendemain de leur finale, Narcissa a posté un selfie avec John, que des années plus tard ils sont toujours potes, que quand Nintendo a annoncé refaire un championnat, bah Narcissa a commenté cette vidéo pour encourager John, qu'elle est ultra fière d'être arrivée deuxième à l'édition 2015 et qu'elle en parle souvent bien. Oui, c'est sûr que ça fait une histoire beaucoup moins dramatique et intéressante que ce récit fantastique selon lequel cette horrible humiliation l'aurait brisée et l'aurait poussée vers une transition en à peine 4 jours. 4 jours ? Ce qui est con avec cette version de l'histoire, c'est que les dates, c'est très facile à vérifier. Attends, du coup, c'était quand les Nintendo Championship machin chouette ? Le 15 juin 2015. Et si je demande à Google « Coming out Narcissa », c'était en novembre 2015. Pour être exact, c'était le 3 novembre 2015 quand elle a posté une photo du traitement hormonal qu'elle venait d'entamer. 4 jours, hein. Ah ouais, c'est... Ouf, c'est des très longs jours. Là, peut-être que c'est dans le cercle polaire où le soleil se couche jamais, j'en sais rien. Can I say this about the Nintendo World Championships last year? That was one of the best experiences of my life and I'm extremely proud of how amazingly well I did throughout the entire thing. De plus, quand on pose la question à Narcissa, bah elle répond qu'elle a toujours su qu'elle était trans, que ça remonte à bien avant cet événement. I've always known I was trans. When I was young, like just after puberty, I wanted to be a girl. Et elle a jamais lié sa transition à cet événement. Ça, c'est la version d'internet, pas la sienne. Eh ben, je pense qu'on est bon pour un petit point sur la transidentité. Dans quoi je m'embarque? J'ai besoin d'énergie. Partons de la base, quand un bébé naît, bah, on regarde son kiki, et en fonction de ce à quoi ça ressemble, bah, on dit c'est une fille ou c'est un garçon. En général, les bébés avec des chromosomes XX ont un kiki de fille et sont donc assignés fille à la naissance. Les bébés avec des chromosomes XY ont en général un kiki de garçon et sont donc assignés garçon à la naissance. Je dis en général parce qu'il existe plein de variantes. Il existe des bébés XY avec un kiki de XX, ou des bébés XX avec un kiki de XY, ou alors des bébés XX ou XY qui ont un kiki un petit peu entre les deux. Il y a aussi toutes les variantes génétiques, comme par exemple les personnes intersexes qui peuvent avoir des chromosomes XXY ou XYY ou XXXY ou XXXXY ou bien juste X, il y a plein de variantes. Bref, définir le sexe d'un enfant, c'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Une personne transgenre, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à son identité ressentie. Il représenterait entre 1 et 3% de la population, ce qui veut dire qu'il y a à peu près autant de personnes transgenres dans le monde que de roues. C'est assez courant finalement. Une femme transgenre, c'est quelqu'un qui est né avec des chromosomes et un kiki masculin, mais qui sent au fond d'elle-même qu'elle est une femme. Un homme transgenre, c'est quelqu'un qui est né avec des chromosomes et un kiki féminin, mais qui ressent qu'il est un homme. Ce décalage entre leur identité de genre et leur sexe attribué à la naissance peut créer une lourde détresse psychologique. C'est un peu comme vivre dans le mauvais corps. Beaucoup témoignent se sentir emprisonnés et ça peut créer une vraie détresse mentale. C'est pour ça que certaines personnes entament une transition pour mieux refléter leur véritable identité de genre. Il n'y a pas une seule façon de transitionner, c'est du cas par cas selon le ressenti de chacun. Ça peut vouloir dire modifier certains aspects de leur personnalité, de leur comportement ou parfois de leur apparence physique pour mieux exprimer qui ils sont, et la plupart du temps, de changer de prénom. La médecine moderne propose plein de pistes aux personnes trans pour se rapprocher au mieux de leur genre ressenti. Ça peut passer par des hormones féminisantes ou masculinisantes, de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, de l'épilation définitive, enfin bref, il y a plein de pistes. Mais aucune n'est obligatoire.
Chaque personne trans choisit la manière dont il ou elle souhaite transitionner, avec l'aide de la médecine ou parfois sans aucune intervention médicale. Quand c'est avec l'aide de la médecine, évidemment, c'est très encadré. De nombreuses études ont démontré les réels bienfaits psychologiques d'une transition pour les personnes trans et également de réels bienfaits sur leur qualité de vie, mais malgré tous ces bienfaits qui ont été démontrés, ça fait beaucoup débat. De nombreuses personnes militent contre les droits des personnes trans. Genre, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mêlez-vous de vos oignons. Je veux pas que cette personne existe alors que ça change rien à ma vie. Trouve-toi un hobby. Pendant mes recherches, j'ai essayé de comprendre les arguments des gens qui ne cautionnent pas les transitions de genre. On peut pas débattre si on n'écoute pas les arguments d'en face. J'ai donc écouté leurs arguments. Notre rôle d'homme ou de femme dans la société n'est pas seulement défini par notre apparence sexuelle, mais également par des ressorts plus profonds, invisibles. La science nous donne quelques pistes, comme par exemple, pour n'en citer qu'une, la différence cérébrale. La différence cérébrale. Merci de me tendre la perche, c'est top. Parlons donc cerveau. Le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme est effectivement différent à plusieurs niveaux. Par exemple, est-ce que vous connaissez le noyau de la strie terminale? C'est une petite structure dans notre cerveau qui est différente chez l'homme cis et chez la femme cis. Alors juste vite fait, un homme cis, c'est un homme qui a des chromosomes et un kiki d'homme, et qui s'identifie comme un homme. Et une femme cis, bah, c'est une femme qui a des chromosomes et un kiki de femme, et qui s'identifie comme une femme. Chez l'homme cis, le noyau de la strie terminale ressemble à ça. Chez la femme cis, le noyau de la strie terminale ressemble à ça. C'est différent. Et chez une femme transgenre, donc quelqu'un qui serait né homme mais qui se sent femme au fond d'elle-même, et bah le noyau de la strie terminale ressemble à ça. Vous avez deux yeux, vous avez pas besoin de mon interprétation, on voit tous très bien que ça ressemble carrément plus à ce qu'on trouve dans le cerveau d'une femme que ce qu'on trouve dans le cerveau d'un homme. Pas étonnant que tu te sentes femme si ton cerveau est câblé comme celui d'une femme. Le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme sont différents en termes de morphologie à plusieurs niveaux. Au niveau de certains groupes de neurones ou de certaines structures bien spécifiques. Ces différences sont observables. Et chez les hommes transgenres, avant même le moindre traitement hormonal, ces structures sont masculinisées. Le cerveau des hommes transgenres ressemble beaucoup plus au cerveau d'un homme cis qu'au cerveau d'une femme cis, et ce, dès la naissance, sans la moindre intervention médicamenteuse. Malgré un kiki de fille, ils sont nés avec certaines structures cérébrales de garçon. Chez une femme transgenre, donc un individu qui serait né avec des attributs mâles mais qui s'identifie comme une femme, c'est encore un tout petit peu différent. Parce que leur cerveau ne ressemble ni à celui d'un homme cis, ni à celui d'une femme cis. Là, on a un troisième type de morphologie cérébrale. Mais toujours est-il que leur transidentité se voit au niveau cérébral. C'est pas une lubie, c'est pas un choix, c'est pas dans ta tête. Enfin, si, c'est dans ta tête parce que c'est ton cerveau. Enfin bref, on se comprend. La transidentité, c'est une réalité biologique. Je saurais pas vous citer toutes les études et tous les points qui ont été observés qui démontrent la réalité médicale de la transidentité. Il y en a beaucoup trop. Il y a vraiment une tonne d'études sur le sujet, et encore une fois, tout ça est en description. On n'est pas encore trop sûr de quelles pourraient être les causes exactes de cette différence entre le sexe biologique d'un individu et des structures cérébrales qui ne correspondent pas au sexe biologique de cet individu, mais selon les connaissances actuelles, il semblerait que ce serait principalement lié à certaines hormones bien précises libérées à des moments bien précis pendant la grossesse. Selon les connaissances actuelles, on est transgenre. On ne le devient pas. Ce sont des personnes qui naissent comme ça. Ça ne se décide pas. Voilà, voilà. La plupart des gens qui ne cautionnent pas les transitions de genre s'accrochent bec et ongle à l'idée selon laquelle le genre est défini à la naissance par des attributs biologiques. Et oui, je suis d'accord avec eux. Simplement, il leur manque le chapitre dans lequel la science explique que la transidentité est également observable biologiquement, notamment dans le cerveau. Oui, l'identité de genre, c'est biologique. Ça ne se change pas. On ne peut pas changer le cerveau d'une personne cis pour le rendre trans, et on ne peut pas changer le cerveau d'une personne trans pour le rendre cis. La science, qu'est-ce que j'aime, la science. Le troisième argument que j'ai vu revenir dans le débat, c'est celui du regret. Les militants anti-trans adorent parler des gens qui ont détransitionné, donc des gens qui ont entamé une transition, avant finalement de faire marche arrière et de revenir à leur genre d'origine. Alors oui, ça, c'est un argument qu'on voit partout dans le débat anti-trans. Par contre, un truc que j'ai jamais vu dans ce débat, ce sont des chiffres, des données concrètes. Et pourtant, ces chiffres, ils existent. Ils existent bien bien, puisque c'est pas juste une étude qui a été menée, c'est plutôt 27 études indépendantes qui ont été combinées dans une énorme méta-analyse. C'est étonnant qu'ils ne nous donnent pas les chiffres s'ils existent. Oh là là, quelle surprise. Alors une méta-analyse, vite fait, qu'est-ce que c'est? Dans le monde scientifique, t'as plusieurs paliers de crédibilité pour une preuve scientifique. Tout en bas, t'as les opinions d'experts, et tout en haut, t'as la méta-analyse. En général, il n'y a rien de plus solide comme source dans le monde scientifique. Bref, cette méta-analyse s'est penchée sur le taux de regret des personnes qui ont transitionné. Sur 3398 patients qui ont fait une transition, seulement 16 ont exprimé du regret ou entamé une détransition. Sur ces 16 personnes, une d'entre elles a expliqué regretter mais ne pas vouloir revenir à son genre d'origine. Deux ont envisagé de revenir à leur genre d'origine mais ne l'ont pas fait. Trois ont réellement détransitionné. Et 10 ont détransitionné avant de finalement retransitionner. Sur 3398 patients, seulement 3 ont détransitionné pour de bon. Ce n'est même pas 0,1%.
1%. Et cette extrême minorité est utilisée pour invalider les 99,9 autres pourcents. Ça sent un peu la mauvaise foi. De plus, la méta-analyse souligne que les doutes de la majorité de ces 16 personnes étaient principalement liés à de la pression sociale et pas à de réels doutes liés à leur identité de genre. Les gens qui changent d'avis sont une infime minorité. Et surtout, bah, ce qui les a fait douter, la plupart du temps, c'est surtout la pression de leur entourage et de la société. Je te mets encore plusieurs études à l'écran, n'hésite pas à les checker, elles sont toutes en description. Je précise que je suis totalement ouverte au sujet à ce débat. Je crois que je voulais dire ouverte au débat à ce sujet, pardon. Mais pas sur base d'idées. Si tu me balances des preuves, des études solides, des travaux scientifiques, on peut en parler et je suis totalement ouverte à la remise en question. Mais sans aucune source solide, je considère que des opinions, c'est pas des faits. Revenons à Narcissa. Désolée, cette parenthèse était super longue, mais c'était très important de bien comprendre tout ça pour comprendre l'histoire de Narcissa. Narcissa fait son coming out public, on en était donc là. Alors heureusement, elle a quand même pas mal de soutien, mais elle reçoit également pas mal de réactions moins sympas. Wright est devenue une fille avec une apparence malaisante. Ah oui, oups, j'ai oublié de vous expliquer vite fait pourquoi je bipais le nom de Narcissa par moment. En gros, je bipe son ancien prénom par respect. Avant son coming out, elle portait un prénom masculin. L'ancien prénom d'une personne transgenre, on appelle ça le dead name. C'est un nom mort, un prénom qu'on n'utilise plus. Utiliser le dead name de quelqu'un, c'est ultra grossier et irrespectueux. C'est en quelque sorte invalider sa transition, nier son identité. I don't like when people call me my old name. Alors du coup, je préviens tout de suite, le dead name de Narcissa a été ajouté au mot bloqué de ma chaîne, donc si vous l'utilisez dans les commentaires, votre commentaire sautera automatiquement. Alors on pourra débattre de tout ce qu'elle a fait, de pourquoi elle est détestée mondialement, on pourra même parler de trucs très très graves qu'elle a pu faire. On peut tout à fait débattre de ses actions ou de son comportement, mais on peut le faire tout en respectant son identité. C'est tout ce que je demande. Pour revenir sur les réactions à la transition de Narcissa, le running gag sur les raisons de sa transition commence immédiatement. Pété d'air, Narcissa s'est fait friendzoner si fort qu'il a changé de bord. Alors je précise, l'appeler il alors qu'elle a exprimé publiquement le fait qu'elle est une femme transgenre, ça aussi c'est un gros manque de respect. On appelle ça mégenré, ça peut être une simple erreur d'inattention, auquel cas je peux comprendre, mais la plupart du temps, c'est plutôt fait dans un but d'invalider la transition d'une personne. Donc bon, les réactions vont dans tous les sens, il y a des vannes un peu bof, des gens qui s'interrogent. C'est mort, j'imagine. Je ne sais pas si j'aime le nouveau. Ça fait réagir jusqu'en France et en Espagne. Mais comme je l'ai déjà précisé, dans cette grosse soupe de plein de réactions variées, il y a aussi beaucoup de soutien, et ça c'est très cool. Beaucoup de gens sont sur le cul, mais en vérité, bah c'était pas tellement une surprise. Je vous ai dit un peu plus tôt que déjà avant sa transition, de plus en plus de gens se moquaient de Narcissa, mais je vous ai pas expliqué les raisons de ces moqueries. Ça faisait un moment que certaines personnes se moquaient des côtés féminins de Narcissa. Elle était connue comme le speedrunner qui met du vernis. Alors déjà aujourd'hui, c'est pas toujours très bien accepté des hommes qui portent du vernis, alors en 2014, tu penses bien. Tu deviens une jolie fille. Est une fille. Depuis quand t'es une fille? Comme une petite fille. Vas-y, meuf. Je trouve ça quand même un peu comique de voir qu'il y a des gens qui ont pensé être méchants avec elle pendant des années en faisant c'est une fille, alors qu'en fait, bah, il y avait zéro insulte là-dedans. Quelques jours après ce tweet, Narcissa fait son premier live en tant que femme transgenre. Le chat est en sub-only, il y a que les abonnés qui peuvent commenter. Elle fait certainement ce choix pour se préserver, mais ça agace quand même pas mal de monde. Un mois après son coming out, Narcissa poste la toute dernière vidéo sur son ancienne chaîne YouTube, parce que maintenant, bah, du coup, elle a une nouvelle chaîne YouTube au nom de Narcissa, son nouveau prénom. Les changements ne s'arrêtent pas là, la vie de Narcissa au sujet du speedrun a quelque peu évolué. Elle publie sur sa nouvelle chaîne une vidéo intitulée « Toutes les catégories sont arbitraires ». Une vidéo un petit peu concept avec une espèce de poème ou de slam dans lequel elle explique que bah, toutes les catégories sont très arbitraires. Qui fixe les règles? Il suffirait que bah, je dise « Ah bah tiens, je vais faire une run sur tel jeu où je m'interdis tel glitch mais je m'autorise tel autre glitch » et boum, je viens de créer une nouvelle catégorie dans laquelle bah, fatalement j'ai le record puisque je suis la première à le faire. You can make a test that's faster anyway, you can make a controller that's better anyway, so what are you measuring? It's like arbitrary. Narcissa va s'en éloigner un moment pour plusieurs raisons. Au public, elle expliquera que c'est parce qu'elle sait plus trop si elle y trouve du sens. Mais en réalité, il y a un autre problème qui l'empêche de continuer le speedrun. Du coup, bah, elle diversifie son contenu. Maintenant, elle fait du dessin, le public aime bof. Elle crée des niveaux sur Mario Maker qu'elle propose ensuite à ses abonnés, le public aime bof. Les commentaires sur sa chaîne YouTube sont désactivés, et on imagine bien pourquoi. Narcissa déclare à cette période « Thanks for watching this video, YouTube, even though my YouTube account is filled with tons of trolls. » Ce n'est que le tout début d'une très longue descente aux enfers pendant laquelle sa carrière en ligne et sa santé mentale vont se désagréger petit à petit. Mais d'ici là, on a quand même quelques moments cool. Fin mars 2016, 5 mois après son coming out, Narcissa revient enfin sur le contenu que son audience réclame. Narcissa reprend activement le gaming, et pas sur n'importe quel jeu, sur Zelda Twilight Princess, une licence que son audience adore. Les vues sont toujours pas au rendez-vous, le ratio est pas ouf, malgré que Narcissa fasse exactement ce pourquoi les gens l'ont aimé par le passé, jouer à Zelda. On pourrait se dire que c'est une mauvaise période, mais quand on a une vue globale de toute son histoire,
cette petite période de quelques mois pendant laquelle elle va streamer ce jeu, c'est une période de plus ou moins calme avant la tempête de merde. Bref, Narcissa semble bien s'amuser sur ce jeu, les lives se passent relativement bien, l'ambiance dans le chat est plutôt ok la plupart du temps. Cette période dure environ 6 mois, et puis Narcissa va être obligée de laisser tomber le gaming une nouvelle fois. And then I start doing Twilight Princess HD, and like my view count's like going back up and stuff, and like it feels like I actually felt kind of like the positive energy sort of returning. But yeah, it ended up hurting my hands again, and I was like, fuck. Narcissa ne peut plus performer comme avant. Ce dont elle souffre, c'est le syndrome du canal carpien. C'est un souci au niveau d'un nerf dans le poignet qui est très courant chez les gamers. C'est ultra banal, c'est plutôt bénin, c'est très répandu, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement. Des étirements, des attelles, attendre que ça passe. Okay, I'm struggling with my hands, like carpal tunnel apparently. This problem prevented me from like making some of my dreams come true. And now I'm just sitting here and all I can do is sit into a camera and talk and like I'm getting so much shit from people and I need to just get rid of the shit. Just remove it from my world entirely. I don't fucking need it. And then stream more and try to feel more comfortable, but it's like it's a process for me. This is a process for me, and like especially this month when I'm not playing games all the time, especially this month when my wrists are f***ed up and I can't be doing much. Impossible de continuer son contenu habituel avec ce souci. Alors pendant les mois qui vont suivre, le contenu de Narcissa change. Elle stream presque tous les jours, elle papote parfois avec le chat quand il est pas trop pollué, elle compose de la musique, elle parle de programmation de jeux vidéo, parfois elle regarde des vidéos sur des trucs qui l'intéressent. Ce sont généralement de très longs lives, de parfois 10 heures et plus, et parfois il se passe rien. Ça arrive même souvent qu'il se passe rien. Mais surtout, en parallèle de ces lives où elle ne joue pratiquement plus, elle va surtout publier une poignée de vidéos sur sa chaîne YouTube qui vont définitivement marquer sa réputation en ligne. Elle publie 2-3 vidéos où elle chante, une vidéo où elle écoute de la musique sans rien dire, 2 vidéos où elle danse. Elle publie aussi Hugging a Pillow et Cuddling a Pillow, 2 vidéos où elle fait un câlin à un oreiller. Alors oui, c'est assez différent de son ancien contenu, certaines de ses vidéos sont même plutôt cheloues, mais personnellement, je trouve ça assez osef et franchement inoffensif. Évidemment, autre problème, l'argent. Narcissa ne peut plus produire le contenu qui payait ses factures, alors elle va s'adresser à son audience dans 2 vidéos. Okay, I need to find a way to make money. What do I do? Dans cette vidéo, elle explique que là, tout de suite, elle est incapable de jouer à des jeux vidéo, donc elle demande à ses viewers qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir sur sa chaîne, et elle leur propose plusieurs options. Would you be interested in like me uploading everything from the last 10 years? C'est ce qu'elle va faire. J'imagine que c'est pour continuer de proposer du contenu lié aux jeux vidéo et au speedrun, même quand ses poignets l'en empêchent. En parallèle de ses lives et des vidéos qu'elle produit à ce moment-là, Narcissa va également publier sur sa chaîne énormément de vidéos liées au speedrun ou aux jeux vidéo qui ont été tournées plusieurs années plus tôt. La vidéo dont je viens de parler s'appelle « Vidéo pathétique ». Si je précise le titre de cette vidéo, c'est parce qu'elle est suivie de « Vidéo pathétique 2 ». Et j'avoue que cette deuxième vidéo, elle est quand même spéciale. Please support my Patreon, please. Please. Please support me, please. Please give me money, please. Narcissa passe 28 secondes à demander de l'aide financière à son audience en tenant une pancarte « Je vais me plaindre sur internet pour l'argent ». Narcissa considère ses vidéos comme une forme d'art. J'ai pas trop compris. C'est bien chelou, mais bon, encore une fois, ça fait de mal à personne et y a pas de quoi vermifuger un abribus. Oui, bon. Merde. Oh non, Pipoun, s'il te plaît, non. Oh non, il a attrapé une souris! Non, Loulou! Oh, catastrophe! Qu'est-ce que tu... Oh non, non! Lâche ça, Loulou! Lâche-la! Lâche! Lâche! Oui, cours, cours, souris, cours! Sauf pour ta vie, cours! Oui, par cours! Non, mais pas sur moi! Oui, oui! Crois que je l'ai. Je sais. Non, ne t'enfuis pas, s'il te plaît! Allez, petite souris, tu es libre. Oui! Désolée, j'ai eu un petit souci technique. Ces 3 mois de contenu étonnant va marquer son image en ligne à tout jamais et aura un énorme impact sur le reste de son histoire. Pendant ce temps, depuis son coming out, le compteur d'abonnés de Narcissa est en chute libre sur tous les réseaux. Un peu moins d'un an après son coming out, Narcissa tweet « J'arrive pas à croire que je vais redescendre sous la barre des 40 000 abonnés. J'étais à 48 000 il y a 10 mois. Je pensais que la chute se serait arrêtée depuis le temps. J'investis mes talents dans le gaming, dans des trucs créatifs, comme faire un labyrinthe dans Mario, et tout le monde s'en fout.
Côté streaming, elle est passée de 4000 à 40 viewers. Sous ce tweet, il y a un débat sans fin dans lequel un tas de gens va essayer de lui expliquer qu'ils veulent juste la voir faire du speedrun sur Zelda et rien d'autre. Ce sera Zelda ou rien, si elle fait d'autres trucs, ils regarderont pas. Bah déjà, elle peut pas en ce moment. Et surtout, bah elle l'a fait pendant 6 mois sur Zelda Twilight Princess et ça n'a pas arrêté sa chute d'abonnés ni ses ratios de merde. Narcissa fait face à deux problèmes. Ses problèmes de poignet et les réactions en ligne. Elle passe de speedrunneuse talentueuse et aimée tous à performeuse blessée, incapable de réitérer ses exploits du passé et délaissée, voire même moquée par sa propre audience. Passer de 4000 à 40 viewers, la sensation de plus être capable de faire ce qu'elle fait le mieux, le choc est rude. It's been 10 months, over 10 months of people just clicking unfollow a lot. 30,000 people click the unfollow button. Like what the hell? 30,000? Like 30,000 people don't believe in me. 30,000 people just like don't feel that like I'm worth it. Les gens se contentent pas de l'unfollow. Narcissa fait face à de plus en plus de haine en ligne. Et le pire, c'est que cette haine, bah, elle vient de gens qui étaient fans il y a pas si longtemps. I'm like addicted to reading garbage comments, YouTube comments, 4chan and Reddit. There's a lot of places where people talk about me. And I read all of it, like everything anyone says about me, I just read it. Constantly being judged to my past self. In this moment in my life where it's not easy, it hurts. Everything's so twisted and f***ed. Narcissa parle de cette étrange addiction, ou plutôt de ce besoin compulsif de vérifier ce que les gens disent sur elle. It's just been like a habit for me to dive into the hate, the pile of hate, and just like consume all the hatred, consume all of it. They want to see me suffer. They want to see me like fall. It pleases them to see me fall. They spread that like a meme. Expliquer la haine, c'est une chose. La montrer, c'est tout de suite plus percutant. Narcissa va finalement faire un live pour montrer les commentaires bloqués sur sa chaîne YouTube et c'est... What the fuck, c'est un mec. Pendant ce temps, le chat la traite de tranny. Alors, je sais pas trop comment traduire ce mot, c'est pas un mot gentil, hein, c'est totalement une insulte. On pourrait traduire ça par travelot, mais il me semble que c'est encore plus méchant. Enfin bref, t'as saisi l'idée. Le chat spam son dead name, les modérateurs arrivent pas à suivre. T'as une voix d'homme? What the f***? Qu'est-ce qui est arrivé à loser répugnant? T'es un p***in de monstre. Vous vous souvenez de Rachel Brix? Vous vous souvenez que je dis que c'était un gros foreshadowing? Eh ben, on commence tout doucement à y être. Today, I thought... Maybe I'll just like get the Breath of the Wild record and then like right after I get it, just be like looking at all the support in the chat and being like, thanks everyone, but I know that when I stop playing this game, no one will care about me at all. And that like this is the peak for me and there's nothing left. And you don't really care about me, you just care about this fucking meaningless thing that I just accomplished. And then pulling out a gun and killing myself live on stream. I thought about that earlier today. Yeah. Anyway. Les réactions du chat sont lunaires. Fais-le. Bonne idée, fais-le en live. Ce serait le live le plus YOLO du monde. Ce suicide sera encore plus légendaire que ton record de 18 minutes 10. Narcissa finit le live de cette manière. I'm sorry if I upset anyone. So, thanks and have a wonderful night everyone. Un internaute a un jour demandé à Narcissa pourquoi tu te soucies d'eux si tu sais qu'ils se soucient pas de toi. Et la réponse de Narcissa est immédiate, elle réfléchit même pas, du tac au tac, ce qu'elle sort, c'est ça. Why do I care about them if I already know they don't care about me? Maybe I respect them as humans. Maybe I recognize some of them as like my lost audience from the past and I want to show them that I'm still awesome. Mais du coup, pourquoi elle banne pas ces gens-là? Et ben en fait, elle le fait. Mais ils sont toujours plus nombreux à recréer et à recréer des comptes pour continuer de l'attaquer dans ses lives. J'ai retrouvé un extrait de sa ban list, donc la liste des gens qu'elle a bannis. Parmi cette liste, les pseudos qu'on peut lire, c'est Sauver s'est fait tromper, Chimel malade mental, Dab sur John King Numbers, John Numbers. Quelques-uns ont des images de Narcissa en photo de profil, bref, t'as compris, c'est des comptes créés juste pour la pourchasser. On est en automne 2016, la chute ne fait que commencer. La narration selon laquelle l'humiliation lui aurait fait perdre la tête et l'aurait poussé à transitionner s'impose de plus en plus comme une vérité en ligne. Le chat de ses lives se fait de plus en plus pollué et la première vidéo sur sa chute vient de sortir. Cette vidéo est plutôt ok. Le narrateur explique qu'il a constaté effectivement que Narcissa a perdu une tonne d'abonnés juste après sa transition. Il explique qu'il a constaté des commentaires atroces sur sa chaîne avant qu'il ne soit désactivé. If she had continued speedrunning, same as she had, and the only thing that changed was her gender,
She just would not have lost as much of her audience as she did. Narcissa retweet cette vidéo et elle dit que globalement, elle est plutôt d'accord avec ce point de vue. Peut-être que si elle continuait le speedrunning, tout serait comme avant. Peut-être. On le saura plus tard. Le lendemain de la sortie de cette vidéo, Narcissa fait un live intitulé « Je me rends ». Dans ce live, elle ne dit rien. Pas un mot. À un moment, elle prend la webcam et elle la retourne pour montrer le chat qui défile à l'écran. Si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous avez déjà vu des commentaires vraiment moches. Mais ça, vous n'avez jamais vu ça. Le visage que tu fais quand tu regrettes d'avoir coupé ta bite par un être juif. On peut tous signaler quelqu'un pour contenu répugnant, hahaha. Il a aucun style, t'es un fagot. La transidentité est un trouble mental. John Numbers, Ravelot, malaisant. Montre ta bite. Dieu tuera tous les sauts de repens-toi. Suicide-toi et dis à tes parents que leur mariage était une erreur. Quelques personnes tentent de noyer toute cette merde dans des commentaires plus positifs, mais s'ils font pas le poids. Speed, Travelo, le suicide est une option. C'est quand le suicide? Crois en tes rêves. 50 somnifères, c'est tout ce dont tu as besoin. J'ai signalé pour drogue, et d'ailleurs, suicide-toi. Bon, tu t'es ou quoi? Là, on s'ennuie. Narcissa égale Travelo qui devrait redevenir. Et dire qu'on est qu'au début de l'histoire. C'est le début et elle a encore rien fait de grave. Eh ben, on est prêt pour la suite. Quelques jours après ce live « Je me rends », Narcissa va une nouvelle fois montrer sa nouvelle réalité en ligne. Cette fois, c'est pas son chat qu'elle va montrer à l'écran. Ce qu'elle va montrer, c'est un board 4chan entièrement dédié à parler d'elle. Là encore, elle ne dit rien. Elle se tait et elle montre. Ses viewers fidèles hallucinent. C'est surréaliste. Narcissa garde un sourire crispé pendant qu'elle scrolle des dizaines et des dizaines de posts cruels. Malheureusement, c'est pas du tout un bon move de streamer ça. Ça fait à peine 4 minutes qu'elle a ouvert cette page sur son live que l'alerte est lancée sur le forum. Narcissa nous regarde. Après ce post, maintenant qu'ils savent qu'elle est en train de les lire en direct, ils vont s'adresser à elle. Dans les 5 posts qui suivent la lettre en moins de quelques secondes, on a 2 « Est-ce que je peux te b***er ?» une photo d'elle avant sa transition et surtout 2 s***er de toi. Le 6e post, c'est une balle dans la tête de chaque travelot répugnant monstrueux. Le forum est déchaîné. Suis-toi, espèce de malade mental. Suis-toi, je te déteste, putain, espèce de déchet malade mental. Je pourrais te tuer dans la vraie vie si on se voyait, fils. Sérieusement, on s'écraserait la trachée, je t'éclaterais les dents, je te briserais les doigts. Je te crèverais les yeux avant même que tu comprennes ce qui t'arrive. Suis-toi, travelot. Le live dégénère, c'est pire en pire. Autant sur le forum dans le chat, les modérateurs arrivent pas du tout à suivre. Au bout de 20 minutes à scroller dans la merde, dans une espèce de flow qui s'actualise constamment, Narcissa va finalement tomber sur un message de soutien. Quelqu'un lui dit simplement « Narcy, je t'apprécie sincèrement et je te souhaite le meilleur ». Jusque-là, elle scrollait sans rien dire, mais ce post est le premier qui l'a fait réagir. Il va simplement lui répondre « Merci ». Je pense qu'un des mécanismes qui la pousse à s'infliger la lecture de ces forums absolument horribles, c'est pour chercher les miettes de gens qui prennent son parti, de chercher la lueur d'espoir, de se dire « Ok, malgré tous ces gens qui disent des choses horribles sur moi, il y a peut-être encore quelques personnes qui me défendent. » Pendant le live, elle répondra à 3 gentils messages sur le forum. Au bout de presque une heure, elle poste un autre message sur ce forum. Elle poste juste « Pourquoi être méchant ?» Les réponses sont à la hauteur de ce qu'on a vu jusque-là. « Tue-toi, ta pète. Il. » Il est littéralement sur le point de pleurer. « Ta gueule, p***. Va te faire p***. Pourquoi t'es une erreur de la nature ?» Au total, les seules interactions de Narcissa avec ce forum pendant ce live, ce sera 3 ou 4 merci et surtout une poignée de pourquoi. Elle leur demande pourquoi ils sont si méchants, pourquoi ils veulent qu'elle meure. J'imagine qu'elle espère obtenir une réponse logique, peut-être pouvoir en parler, trouver l'origine du problème, peut-être provoquer un déclic chez eux. C'est peine perdue. Finalement, au bout d'un moment, elle poste « Je veux arrêter d'argumenter sur ma valeur, je me rends, je suis très isolée, oui. Vous pouvez arrêter de poster sur moi, j'imagine que je suis venue ici pour discuter. » Le live dure comme ça pendant 1h30. Ce sont des pages et des pages et des pages de menaces de mort, de vie, d'appels au suicide, des pages de haine gratuites. Oui, gratuites. Vous allez vraiment essayer de me faire croire que ça, ce degré de cruauté, c'est juste parce qu'elle fait plus de speedrun, parce que certaines personnes trouvent que ces lives sont ennuyeux, ou parce qu'elle a fait un câlin à un coussin. Là, elle leur a tendu la perche, elle leur a donné l'opportunité de s'expliquer, elle vient de leur demander pourquoi ils souhaitent sa mort. Il n'y a pas eu une seule réponse avec ne serait-ce qu'un début d'explication. Aucun argument, rien. Narcissa n'est accusée de rien. À part une poignée de vidéos un peu cringe, on n'a rien à lui reprocher à ce stade. Le lendemain, un thread sur un forum tristement célèbre est créé au sujet de Narcissa. A web of hate. An online hate forum. A notorious online forum that has been used to organize transphobic harassment campaigns. Has had a long history of hate. In fact, at least 3 people have died by after being targeted. Ça
Ce forum, j'ai choisi de ne pas le nommer, donc on va l'appeler Jean René. Sur le Twitter officiel de Jean René, avant qu'il ne soit banni de la plateforme, la biographie stipulait « Ragots et exploitation des handicapés mentaux pour le fun ». Après le premier suicide causé par le harcèlement issu de ce forum, le créateur de Jean René a posté un manifeste pour s'adresser à tous ses utilisateurs. C'est un forum pour le divertissement et on aime être diverti. C'est pourquoi nous déconseillons fortement de s'impliquer émotionnellement dans ce forum. Le plus souvent, ça veut dire « ne t'énerve pas », mais ça doit aussi s'étendre au chagrin et à la culpabilité. C'est incroyablement arrogant de penser que ton compte sur ce forum obscur a mis fin à la vie de quelqu'un. En gros, c'est un long texte pour expliquer de manière assez agressive qu'il faut surtout pas culpabiliser, que de toute façon le c'est égoïste et que c'était sa décision. Nous avons bloqué les trades à son sujet et au sujet de son Nous craignons aussi de voir des messages embarrassants exprimant de la culpabilité inutile. Ah ouais, oulala, faudrait surtout pas exprimer d'air mort pour avoir poussé quelqu'un en Non, attends, on va quand même pas culpabiliser. Ah non, mais quand même. Une des victimes de ce site, avant de sauter la vie, avait écrit « Je pouvais à peine l'endurer, ça m'a causé une lourde dépression quand c'était 4chan. » Mais Jean-René a rendu l'ampleur de ce harcèlement bien pire. Les utilisateurs répondent « J'espère qu'il va streamer son Citez-moi dans les articles. C'est un jeu pour ces gens. On n'a plus qu'à espérer un plus un sur le kill count de Jean René. Ce forum a un compteur de gens tués. On est dans Black Mirror, c'est pas possible. Le seul problème quand on fait un trade sur un travelot après sa mort, c'est qu'on peut pas le tuer une deuxième fois. Leurs intentions ne pourraient pas être plus claires. Il y a 3 victimes connues de ce site, mais il y a probablement d'autres gens dont n'a pas été rendu public, ou alors tous les gens qui n'en sont pas arrivés là, mais qui ont malgré tout subi des lourdes séquelles. Un survivant témoigne « J'ai presque été une autre victime. J'ai essayé de me tuer 2 fois. Ils ont balancé mon dead name, m'ont envoyé de la merde par la poste. Littéralement de la merde. Ils ont volé mon numéro de téléphone que j'avais depuis 10 ans. » Une autre victime de ce site a dû fuir dans un autre continent après plusieurs doxing, du SWAT, des gens qui venaient chez elle. Elle a posté une photo de son chat sur son lit d'hôtel une fois qu'elle avait quitté le pays. Les utilisateurs ont réussi à zoomer sur les draps de lit, à retrouver la référence exacte des draps de lit. Quand ils l'ont retrouvé, ils ont envoyé des pizzas à son hôtel avec son dead name pour lui faire savoir qu'ils l'avaient retrouvé. Toutes les victimes qui témoignent racontent la même chose. Le but de ces internautes, c'est de te pousser à croire que ta seule issue, c'est le s***. Et puis, il y a William Hutchinson. Un membre très actif du forum qui a très souvent plaisanté avec les autres utilisateurs sur son envie de faire une fusillade de masse. Là aussi, on a du foreshadowing. J'ai rien dit. Je ne spoil pas. Un jour, il passe à l'acte, mais une enseignante réussit à barricader la porte avec un canapé. Grâce à cette enseignante qui a barricadé la pièce, il n'a réussi à tuer que 2 personnes avant de se donner la mort. Alors, il est renommé par les utilisateurs de Jean René de Couch Cuck, le cocu du canapé. C'est la honte d'avoir raté son coup à cause d'un sofa. Pff, oh, la honte, t'as pas tué beaucoup de gens. Le créateur de Jean René lui-même fait un live pour rire de cet échec cuisant avec le reste de la communauté. I know the couch cuck because we were both f***ing lunatics on this website making everybody miserable. I could blame myself, but it's easier to blame this guy. Après la fusillade et le f*** de William Hutchinson, le créateur de Jean René crée un trade sur William. Ce trade commence par, selon la tradition de harceler les morts, je pourrais aussi vous parler plus en profondeur du créateur de ce site. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça demanderait une vidéo entière, mais voici un bref aperçu de cette personne et de ce qu'il poste en ligne, en condensé. Si mon ordinateur pouvait payer les factures, je pense que je tuerais ma mère. Eh ben, ça commence bien. C'est que le début. Il poste des pages entières du N-World, il tweet qu'il faut couper les doigts des juifs et qu'il aimerait s'en faire un collier, que les musulmans ont besoin d'un bon génocide. Il a également créé d'autres sites, comme par exemple un image board dans lequel les utilisateurs pouvaient s'échanger des histoires au sujet de la pédophilie. Heureusement, ce site avait des limites. Faut pas déconner, hein, quand même. La pédophilie doit rester uniquement dans le board au sujet des fétichismes des enfants. La page sur la pédophilie ne doit contenir que du texte, pas d'image. Par contre, les dessins, c'est ok. Mais heureusement que le site a des limites, hein, vraiment, là, oh là là. Heureusement, hein. D'un coup, ça passe beaucoup mieux. Il admet se toucher la nouille sur du nez cochon. Alors j'ai dû vérifier ce que c'est, apparemment c'est des dessins de petits garçons avec des oreilles de chat. Il a également été confirmé par un des nombreux hébergeurs qui a viré Jean René de sa service. Ils ont constaté la présence de pédopornographie sur Jean René. Après une fusillade qui a fait 50 morts en Nouvelle-Zélande, la vidéo du massacre a fini sur Jean René. Toutes les autres plateformes où on la trouvait ont accepté de la supprimer et de collaborer avec les forces de l'ordre, mais le créateur de Jean René a refusé de collaborer. Par la suite, il s'est vanté d'être recherché pour terrorisme suite à ça. Il a apparemment également été lié à une histoire de menace envers des enfants en 2016 qui a forcé une douzaine d'écoles à fermer en Floride, et je pense que je peux conclure le sujet en lui laissant la parole. Dans ce live, il va lire un témoignage qu'une jeune fille a écrit à son sujet. Let me read you one of my best hits. I really wish I would have saved the chat logs, more so than the vor stories he cooked up.
He'd come up with new ways he'd me every time I, and then long list of shit. I remember after he found out my last name, he said that he'd show up at my house while I was at school, my dad, and wait for me to get home. Then he'd subdue me, cut off each individual digit with a knife heated in hot grease so that it cauterized it as a cut and I wouldn't bleed out. Then he'd cut off my ass and my and then rip my ass until I shit myself. Then he'd just leave me there to starve to death or something once all my appendages and were sliced off and he'd beaten me sufficiently. Well, geez, I guess I accidentally spoiled the surprise, but, J'ai rien à ajouter. J'ai l'impression que je vous décris un méchant Disney mal écrit. C'est une caricature. On est à la limite du sketch de mauvais goût. Le edgelord ultime. Ni, je suis méchant, craignez mon courroux. Pour revenir sur Narcissa, on est presque un an après sa transition, la chute d'abonnés et tout le bordel. L'argent devient un problème de plus en plus sérieux. Narcissa explique en toute transparence qu'il lui reste à peu près 15 000 $. Elle dépense 25 000 $ par an, loyer, courses, etc. Elle gagne 1000 par mois sur Twitch et 135 sur YouTube. Si on fait le calcul, ça va vite poser problème. Si je mentionne ça maintenant, c'est parce que pour Jean-René, ça a son importance. Sur le thread au sujet de Narcissa, qui fait 427 pages au moment où je tourne, en haut de chaque page, il y a un petit sondage qui s'affiche sur toutes les pages. Suite quand ? Quand il n'aura plus d'argent, jamais, dans plus de 2 ans. 60% des presque 4000 personnes qui ont voté placent leur pari sur quand il n'aura plus d'argent. En sondage, avec des gens qui lancent des paris sur la date dessus. C'est Black Mirror. Ce serait un épisode de Black Mirror, je me serais dit, ils ont craqué, c'est pas réaliste. Je précise quand même, quand je dis « il » au lieu de « elle », je cautionne pas du tout. J'ai hésité à corriger pour eux par respect pour Narcissa, mais dans cette vidéo, je veux quand même vous montrer sa réalité en ligne. Et sa réalité en ligne, c'est également se faire mégenrer. Heureusement, avec l'anniversaire de sa transition, vient enfin une bonne nouvelle. Les poignets de Narcissa ont l'air d'aller mieux. Elle peut enfin reprendre le speedrunning. Pas tous les jours, elle doit un peu doser et faire des sessions pas trop longues pour ne pas réempirer son souci, mais elle peut reprendre. Et le ratio sur cette vidéo est carrément meilleur. Au même moment, une autre bonne nouvelle, elle annonce avoir arrêté le cannabis. Alors je sais pas trop quand elle avait commencé. Pendant les années qui vont suivre, elle va arrêter, recommencer. C'est parfois un peu difficile de suivre où elle en est à ce niveau-là exactement. De toute façon, c'est pas très intéressant ni important dans son histoire. Les bonnes nouvelles, c'est chouette, mais vous vous doutez bien qu'Internet ne va pas la laisser tranquille très longtemps. La même semaine, une vidéo intitulée « Pourquoi je ne respecte plus Narcissa Wright » sort. I'm super gay and I need some hella sick selfies. On the internet, so you know, the trans community isn't going to give me their pity money if I'm not super gay and have super high quality cell phone selfies, you know. So paying for a new cell phone to get those gay selfies so that everyone loves me because I'm trans, I really need that too. 2 semaines plus tard, Destiny, un gros streamer, sort une vidéo intitulée quelques réflexions sur la transidentité. Like, I guess, like, I'm thinking of people like / Narcissa. Clearly has a lot of mental problems going on. Narcissa is f***ed in the head. She has severe problems with her life, mentally, right? It's very obvious when you watch it. But I don't think that she's ever going to get the help that she needs because she's trans, she has an infinite amount of positively, overwhelmingly positive support from the trans community, which I think is disgusting. Bouh, oh, ça me dégoûte les gens qui ont du soutien. On a clairement pas vu les mêmes lives, hein, lui et moi. Moi, j'adorerais qu'il ait raison sur cet immense soutien qu'elle reçoit qui occulte tout le négatif. Ah, si seulement ce qu'il disait était vrai. The transgendered thing is weird because Suicide rates are lower for post-op than pre-op transgendered, but they're still much, much, much higher than the average population. Effectivement, là, il a raison. Le taux de suicide après transition est effectivement plus bas que le taux de suicide avant transition chez la personne trans. Transitionner réduirait la détresse mentale et le risque de suicide. Et oui, le taux de suicide, même après une transition, reste quand même plus élevé que le taux de suicide du reste de la population. On se demande bien pourquoi. Waouh, c'est fou, ça! Quand une partie de la société pousse quelqu'un à suicider, ça augmente ses chances de se suicider. Le scoop! Alors je dis pas que c'est 100% lié au rejet de la société, mais ça joue, vous me ferez jamais dire le contraire. Cis ou trans, n'importe qui serait exposé à ce genre de rejet, à ce genre de haine,
aurait des séquelles mentales. Et bonne chance pour me faire changer d'avis. Quoi qu'il en soit, si le risque de passage à l'acte est moins élevé après transition, bah on pourrait peut-être envisager de laisser transitionner tranquillement, qu'est-ce qu'on en pense? Et juste pour le contexte de qui est Destiny et de pourquoi il tient ce genre de propos, bah il a finalement été bandef de Twitch pour propos haineux, notamment envers la communauté trans. Il se serait apparemment calmé avec le temps, je vous avoue j'ai pas vérifié, j'ai pas vraiment suivi sa carrière, ça m'intéresse pas. En tout cas, on lui laisse le bénéfice du doute. Depuis, il a peut-être fait du chemin, je sais pas, tant mieux si c'est le cas. Cela dit, à l'époque, il était pétri de clichés et s'est retombé sur Narcissa. So you have people like Narcissa who don't go through therapy at all and just order the drugs for themselves. Source. Source. Qui lui a dit ça? Ça vient d'où cette info? Narcissa a posté une réponse très courte sur sa chaîne. He also said that I get my hormones off the internet or like I bought them originally off the internet or whatever and it's like not true at all. I went through Howard Brown in Chicago and like it's an informed consent clinic so yeah it wasn't like some long gatekeeping process but I'm very thankful for that and there hasn't been a single f***ing day in which I've doubted that hormone replacement is correct for me so like f*** off with that shit and stop reading the f***ing tabloids. Le 27 novembre 2016, Narcissa poste une chanson qui va devenir le plus gros gag, le plus gros même à son sujet. Elle chante qu'elle a perdu la tête. Out of my f***ing mind, out of my f***ing mind, mind, out of my f***ing mind, GG, golly, oh my, I was doing fine, once upon a time, till my brain left and it didn't say bye. Ça devient instantanément un énorme même à son sujet. Her most iconic video entitled, I'm out of my mind. Hihi ha ha houhou, elle chante qu'elle a perdu la tête, prenons donc cette chanson premier degré pour se moquer d'elle. Et vous savez le truc que tout le monde a oublié de préciser au sujet de cette chanson? Une info qu'ils ont vraiment tous oublié de mentionner, ça leur est sorti de la tête. Si je tape out of my mind sur YouTube, qu'est-ce que je trouve? Une chanson qui existait déjà. Narcissa a juste chanté une reprise. C'est même pas elle qui a écrit les paroles. Donc quand maintenant quelqu'un chante une reprise, et ben on va décréter que la personne, bah, elle parle d'elle-même premier degré. Et tous les gens qui ont déjà chanté Confession Nocturne, votre mec vous trompe. Et tous les gens qui chantent... ok, ça j'avoue. Et en vrai, même si la chanson était d'elle, c'est une chanson, les gars. Les paroles d'une chanson, enfin. Enfin, rassurez-moi, je suis quand même pas obligée de vous préciser que France Gall n'est pas réellement une poupée de cire et que Vald n'est pas un poisson, on en est quand même pas là. Après ça, fin 2016, Narcissa aura beau reprendre le contenu jeu vidéo, son image est marquée au fer rouge par cette période avec quelques vidéos bizarres. Le récit comme quoi John Numbers l'a humiliée et l'a transformée en fille se renforce. Il l'a changée en fille, mais surtout en fille brisée qui ne produit plus du tout de contenu. She would continue to stream, but the streams were not viewed positively and were often her just doing nothing and talking to chat about her sadness. Narcissa a eu le malheur d'avoir un passage à vide et de se plaindre quelques fois de la haine qu'elle recevait. Et malgré tout le contenu qu'elle publie sur le côté, Internet ne retiendra que ça. Ça et les quelques vidéos un peu bizarres dont on peut se moquer. Et c'est ainsi que s'achève 2016. À ce stade, le décor est planté. On a à peu près tous les éléments qui vont participer à... Écoutez, je vais pas vous spoiler, vous avez qu'à regarder la partie 2 qui sort. Bientôt. On est qu'au début de l'histoire. J'ai dû faire pas mal de points info dans cette première partie, sur la transidentité, sur Jean René, etc. Maintenant, on a tous les éléments en main, la deuxième partie sera vraiment purement de l'histoire. Et putain, l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me dépêche très très fort de sortir la partie 2, normalement c'est juste une question de jour, donc active la cloche pour pas rater ça. N'oublie pas que tu peux cliquer sur le petit lien traqué en description pour me soutenir, ça fait très très plaisir. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, qui arrive très très vite, c'est promis, je te fais des gros poutous. Merci mon petit cœur pour ta participation, tu es toujours gentil.